Abbiamo il piacere di avere oggi con noi uno dei più importanti antropologi della scena internazionale, Philippe Descola, professore emerito del Collège de France, dove ha insegnato fino a un paio di anni fa antropologia della natura, un insegnamento che lui stesso ha voluto. Philippe Descola è stato allievo di Claude Lévi-Strauss ed è uno specialista di Amazzonia equatoriale. Ha lavorato in modo particolare tra gli Achuar Jivaros dell'Ecuador, a cui ha dedicato una gran parte della sua etnografia. Alcuni dei suoi lavori scientifici, come la Nature Domestique, Nature and Society, e poi Oltre Natura e Cultura, che è stato ripubblicato da poco in italiano da Raffaello Cortina Editore, hanno avuto un grande impatto internazionale. E tuttavia Philippe Descola ha scritto anche libri disseminativi in cui racconta il suo rapporto con le società dell'Amazzonia e soprattutto ci fa capire quanto sia importante la conoscenza di come altre società si sono rapportate e si rapportano all'ambiente. Ora, in un momento di crisi climatica come quella che stiamo vivendo, le ecologie degli altri, per citare il titolo di un altro suo più recente lavoro, sono ben più e ben altro che delle curiosità esotiche, ma sono delle peculiari forme di relazione tra umani e non umani che si rilevano vitali per ripensare il futuro. È una documentazione straordinaria per le nuove generazioni. Se, come sembra, sta nascendo un nuovo ambientalismo che diffida della vecchia contrapposizione tra natura e cultura e che al contrario guarda alle relazioni e all'interdipendenza tra gli esseri viventi che condividono la terra, beh, molto di questo nuovo ambientalismo si deve anche al lavoro di Philippe Descolai, il nostro ospite di oggi. Professeur Descola, avant tout, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de votre invitation. Le titre de la prochaine édition des Dialogues sur l'Homme, qui se déroulera en septembre, sera le suivant: D'autres horizons, marcher, connaître, découvrir. Alors, l'histoire de l'humanité ou de certaines sociétés de l'humanité se caractérise par une volonté constante de dépasser les frontières, de connaître le nouveau, d'explorer et de dominer le monde. Est-il temps de mettre un terme à cet élan prometteur? Vous avez eu raison de préciser de certaines sociétés, parce que ça n'a rien d'un universel. Beaucoup de sociétés ont un horizon relativement limité, et en tout cas, ça a été l'expérience du monde de beaucoup de sociétés depuis très longtemps. Les sociétés expansionnistes, ce sont les anciens empires du pourtour méditerranéen, du Proche-Orient. C'est aussi les empires comme l'Empire Inca, par exemple, qui a s'est étendu sur des distances considérables en à peine un siècle. Mais la plupart des sociétés, avant le démarrage de la grande expansion coloniale au XVIe siècle, avaient un horizon limité et n'avaient pas l'ambition de parcourir le monde et encore moins de dominer. Une chose qui est très frappante quand on s'intéresse à la guerre dite primitive, c'est-à-dire au conflit entre des sociétés non modernes, c'est que très rarement, ces guerres ont pour objectif de conquérir des territoires. Elles ont pour objectif de capturer des ennemis, de capturer des trophées quelquefois, des femmes, du bétail, mais très rarement d'annexer des territoires. Autrement dit, ce désir de domination, il est très caractéristique de ce qui s'est mis en place à partir du XVIe siècle et que on a pu définir comme une combinaison entre le désir de connaître et le désir de posséder. Le colonialisme, c'est ça, c'est-à-dire que d'une façon inextricable, les premiers colonisateurs ibériques dans les Amériques et aussi dans une partie de l'Asie du Sud-Est ont eu pour objectif à la fois de conquérir, de dominer, d'acquérir des richesses, de contrôler la force de travail, mais pour cela aussi de connaître les gens qu'ils soumettaient.
Et d'une certaine façon, l'anthropologie est tributaire de ce mouvement de l'Europe qui a consisté de façon indissociable à soumettre et en même temps connaître. Alors, ce n'est pas nécessairement instrumental. Hein, le désir de connaissance, pour certains, chez certains missionnaires en particulier, très tôt, comme Bernardino de Sahagún au Mexique, était caractérisé par, évidemment, le désir de convertir, mais aussi par une admiration réelle pour la complexité des sociétés qu'il rencontrait. Voilà, donc il faut nuancer, en somme, cette perspective et insister sur le fait que le désir d'expansion, de domination, de contrôle est quelque chose qui est propre à la civilisation européenne et à ses extensions hors de l'Europe. Vous êtes l'un des plus grands spécialistes d'Amazonie et des hachoirs Jivaro en particulier. Quel impact direct ou indirect le COVID-19 a-t-il sur les peuples amérindiens d'Amazonie? Alors, il faut rappeler que les peuples amérindiens, pas simplement d'Amazonie, ont subi le premier grand choc épidémiologique de la planète lorsque au XVIe siècle les colonisateurs sont arrivés et leur ont transmis des maladies infectieuses pour lesquelles ils n'étaient pas immunisés. Dans certaines régions de l'Amazonie en particulier, 90% de la population a disparu en un siècle. 90%. Vous imaginez ce que c'est par rapport à la mortalité relativement faible des grandes pandémies récentes, la grippe espagnole ou la COVID-19. C'est inimaginable, c'est une monstrueuse destruction. Et ils ont, à partir de ce moment-là, adopté des techniques pour essayer de se protéger. Ils avaient bien compris le principe de la contagion et par conséquent, ils se dispersaient dès qu'il y avait un malade dans une communauté, mais ça n'a pas été suffisant. Et à l'heure actuelle, il est beaucoup plus difficile de se disperser. Et les résultats sont d'ailleurs assez catastrophiques. J'ai des nouvelles des hachoirs. Plusieurs de personnes que j'ai connues sont mortes de la COVID-19. Et d'une manière générale, les populations en Amazonie sont loin des postes de santé. Et par conséquent, les soins qu'on peut leur prodiguer sont très difficiles à obtenir. Donc, ils sont probablement moins exposés que dans des grandes concentrations urbaines, mais ils le sont comme nous tous. Quel souvenir gardez-vous des premières recherches sur le terrain? Et pourquoi exactement les hachoirs vous ont frappé au point de consacrer une vie entière de recherche et de réflexion à quelques milliers de personnes? J'étais attiré par l'Amazonie pour une raison générale, c'est le caractère énigmatique de ces sociétés. Là encore, il faut faire un peu d'histoire. Dès la découverte et la conquête des basses terres de l'Amérique du Sud, du littoral en particulier, de ce qui est maintenant le Brésil, et ensuite du Piémont andin, ce qui était au pied des Andes, de l'autre côté, du côté occidental, les Européens se sont trouvés confrontés à des sociétés qu'ils avaient beaucoup de mal à comprendre, car elles n'étaient pas organisées du tout comme les sociétés européennes. Il n'y avait pas de monarque, il n'y avait pas de souverain, il n'y avait pas de religion visible, il n'y avait pas de temple, il n'y avait pas de prêtre, il n'y avait pas de système de marché, il n'y avait pas d'économie. Souvent, les villages étaient très clairsemés et quelquefois même l'habitat était dispersé. Et donc, les Européens ne voyaient pas ce qui faisait société dans ces collectifs amérindiens des basses terres. Et ça a continué pendant longtemps.
jusqu'à maintenant, d'une certaine façon, ou bien on considérait les Amérindiens comme ça, c'est la version dorée, hein, c'est la latitude de montagne, par exemple, qui voyait les Amérindiens comme des enfants nus, des philosophes devisant de problèmes métaphysiques complexes, vivant librement et sans coercition des fruits qu'une nature généreuse leur dispensait, ou bien, au contraire, des brutes cannibales qui s'entretuaient, et les deux étaient d'une certaine façon vrais. Et pendant 4 ou 5 siècles, les Européens ont utilisé cette image des sociétés amazoniennes dans leur philosophie politique, au fond. Et cette étrange façon d'être, c'est-à-dire de vivre dans quelque chose qui ressemble à un état de nature, comme dans la philosophie politique européenne, c'est-à-dire dans lequel il n'y a pas de chef, il n'y a pas de système de coagulation, comme des lignages, des clans, des choses comme ça, m'avait beaucoup frappé. Et je m'étais dit que si les observateurs européens avaient souligné le fait que ces gens-là étaient, au fond, comme des appendices de la nature, c'est l'expression de Buffon, ce sont des appendices de la nature, c'est qu'il devait y avoir quelque chose entre eux qui permettait de comprendre cette fluidité de l'organisation sociale et un rapport particulier à la nature. Et j'étais parti avec cette hypothèse, cette qui était le prodrome d'une intuition, et c'est ce que j'ai découvert en fait chez les Achuar, mais il m'a fallu du temps, parce que quand on arrive dans une société qui, comme les Achuar, avait accepté les premiers contacts pacifiques peu de temps auparavant, il faut d'abord surmonter la méfiance initiale, et puis surtout il faut apprendre une langue, qui n'est, puisque peu pratiquement aucun Achuar ne parlait l'espagnol à l'époque. Et donc, il faut, c'est petit à petit qu'on découvre l'étrangeté du monde dans lequel on vit. Et ce monde, au fond, il m'a stimulé en ce sens que j'y découvrais pour la première fois, avec une certaine naïveté, que la nature n'est pas un concept universel, que ces gens-là ne vivaient pas proche de la nature parce que la nature n'existait pas pour eux. Les plantes, les animaux, les esprits, tous les êtres non humains formaient une sorte de société avec lesquelles ils étaient, ou des sociétés d'ailleurs, avec lesquelles ils étaient en interaction, en négociation, en compétition constante. Et donc le modèle classique qui était celui qu'on apprend à l'école, hein, une société est dans un environnement, elle met en valeur cet environnement, elle s'adapte à cet environnement, ne tenait pas. Et c'est ça qui a stimulé, au fond, toutes mes recherches par la suite. Et donc, alors pourquoi, plus particulièrement pourquoi? Parce qu'en effet, lorsque ma compagne Anne-Christine Taylor et moi, puisque nous avons fait notre enquête ethnographique ensemble pendant plusieurs années, avons compris que les Achuar, en fait, entretenaient une sorte de dialogue constant avec les non-humains, en chantant des chants qui sont des formes d'injonctions assez poétiques adressées au cœur ou à l'intériorité des plantes et des animaux et des esprits. Et que d'autre part, dans les rêves, ils sont en contact permanent avec les non-humains sous une forme humaine, qui viennent les visiter pour parler avec eux. Et donc, il était difficile, dès que nous avons commencé à comprendre cela, de continuer à parler de nature et de culture, par exemple, parce que, au fond, les plantes et les animaux étaient tout aussi culturels pour eux que la culture quotidienne des Achuar. Et c'est un ébranlement, en quelque sorte, conceptuel, mais aussi d'expérience, hein, qui a suscité par après tout mon travail théorique sur la question des rapports de continuité, de discontinuité entre humains et non-humains.
Merci. Et justement, à ce propos, on peut dire que vous êtes parmi les inspirateurs d'un nouveau écologisme qui rompt largement avec l'idée qu'il y aurait une nature conçue en quelque manière comme étant à part par rapport à la culture et à l'être humain. Et comment expliqueriez-vous en termes simples cette nouvelle vision? Cette nouvelle vision, c'est simplement un retour réflexif et critique sur l'expérience de la modernité, c'est-à-dire l'expérience de ce que j'ai appelé le naturalisme, qui est une façon de voir les choses qui commencent à se développer. D'ailleurs, assez tôt, on le voit dans les images à partir du 15e siècle et qui se formalise dans les élites philosophiques et scientifique à partir du XVIIe siècle, et qui veut que les humains sont des animaux comme les autres, mais ils s'en distinguent parce qu'ils ont une intériorité, une conscience, une subjectivité qui les rend complètement à part dans le monde des êtres organisés et inorganisés. Et ça, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Ça s'est passé en Europe pendant quelques siècles et ça s'est répandu ensuite avec l'expansion coloniale et par ailleurs l'impérialisme et puis le commerce des idées et des marchandises avec le temps. Mais il faut souligner à quel point cette vision est exceptionnelle. Autrement dit, ce que je propose, c'est de prendre en compte le fait que ce soit une vision exceptionnelle et d'essayer à partir de cela de ne plus voir ce que nous appelons la nature comme un dépôt de ressources extérieures aux humains, mais comme un monde au fond, ou comme des mondes, c'est-à-dire dans lesquels les humains sont intégrés à l'ensemble des êtres avec lesquels ils interagissent. C'est pas une vision nouvelle, hein, le Moyen Âge était ainsi. Le Moyen Âge était écocentré, si je puis dire, ou biocentré, avec des théories comme la grande chaîne de l'être, par exemple. Mais la grande différence avec le Moyen Âge, par exemple, le Moyen Âge européen, c'est que cette non-séparabilité des humains des non-humains ne doit pas être fondée comme elle l'était jadis ou comme elle l'est dans d'autres systèmes sur une hiérarchie à l'intérieur des êtres. Et donc, il nous faut trouver des manières d'interagir avec les non-humains dans lesquels, au fond, la domination des uns ne va pas s'exercer sur les autres, quel que soit leur statut ontologique, mais il y a une philosophie nouvelle à inventer et une politique nouvelle aussi. C'est pour ça que la période actuelle est très excitante parce que je pense que nous avons accompli un cycle qui a commencé à la Renaissance et qui s'interrompt maintenant. Et qui s'interrompt maintenant, évidemment, de façon exemplaire avec le réchauffement global et avec la remise en cause du rôle des humains dans l'équilibre des êtres sur la surface de la Terre. Justement, à ce propos encore, les virus ne rachètent pas certainement pas l'humanité. Mais la pandémie peut-elle nous faire ouvrir les yeux et sortir de notre grand aveuglement, comme il dirait Amitav Ghosh, face aux dégâts infligés à la planète par ce capitalisme néolibéral? On peut l'espérer, on peut l'espérer. Il m'est arrivé de dire que ce virus, au fond, qu'est-ce que c'est qu'un virus? C'est un être qui vit sur les ressources de son hôte, qu'il détruit progressivement. Et d'une certaine façon, le capitalisme libéral, c'est ce qu'il fait. Donc c'est un virus aussi. Et la difficulté, c'est que ça ne se fera pas facilement et ça ne se fera pas sans par négociation. Je pense que le capitalisme
qui est en train de se verdir en ce moment, c'est-à-dire qui emploie tout le vocabulaire caractéristique de la sustainability et des choses comme ça, n'a aucunement l'intention de renoncer à son expansion et en particulier à cette idée de croissance qui est complètement folle puisque, comme on le sait, tous les ans, de plus en plus tôt dans l'année, nous avons, nous, humanité, épuisé les ressources que la Terre peut nous fournir. Mais je voudrais quand même insister sur cette chose très importante, c'est qu'en effet, on parle souvent de l'anthropocène, par exemple, c'est-à-dire de l'idée que l'humanité est devenue une force géologique qui influe sur le climat et qui conduit progressivement à la disparition des espèces, à la pollution, etc., etc. Mais c'est pas l'humanité en tant que telle, c'est un système, parce que certains des représentants de cette humanité que je connais en Amazonie ou ailleurs n'y sont pour rien dans ce processus de destruction. C'est donc un système et c'est contre le système qu'il faut lutter et ne pas accuser l'homme en général. L'homme en général, c'est une abstraction. Pour les anthropologues, c'est une abstraction, ça n'existe pas, l'homme en général. Ce sont des systèmes d'exploitation de ressources qui sont à la base de ce phénomène, et cela depuis la révolution industrielle. Beaucoup de gens pensent que les visions, les conceptions et les pratiques de l'environnement, ou en tout cas la diversité culturelle des peuples indigènes, c'est quelque chose du passé, et bon, on peut la voir d'une manière nostalgique, mais elle est au fond inadapte au monde contemporain. Et pourquoi et en quel sens la diversité des sociétés humaines peut au contraire être créativement adaptée à notre monde? Ah, c'est une très bonne question, oui. Parce que on ne transpose pas des expériences historiques. Par conséquent, il est illusoire de penser que les Atchouars, les Inuits, les habitants de la Papouasie-Nouvelle-Guinée pourraient nous offrir des leçons pour le moment présent. Ce qu'ils peuvent nous offrir, en revanche, et c'est pour ça que l'anthropologie continue à être une science précieuse et politiquement utile, c'est des alternatives à la façon de concevoir le présent, c'est-à-dire des tremplins conceptuels. C'est l'idée que, au fond, l'illusion que nous avons, quand je dis nous, c'est les Euro-Américains vivant pour beaucoup d'entre eux dans l'abondance, se font du destin, au fond, de l'humanité qui est de devenir de plus en plus opulent, de plus en plus riche, de plus en plus heureux, de vivre de plus en plus longtemps, etc. Mais cette idée qui est née, au fond, avec la philosophie des Lumières et qui a couplé de façon inextricable, là encore, le désir d'émancipation et le désir de richesse ou en tout cas de bien-être, ce couplage, au fond, est en train de se dissoudre, de s'effriter. Et on voit bien que les idéaux de cette philosophie des Lumières, qui ont gouverné aussi les grands mouvements socialistes et que les grands penseurs socialistes du 19e siècle ont porté, n'est plus tenable. Et donc, de ce point de vue-là, tout ce qui peut permettre à l'effervescence intellectuelle de s'exercer pour imaginer des futurs différents de celui dans lequel nous sommes, et bon, et de ce point de vue-là, encore une fois, il ne s'agit pas de transposer des expériences historiques qui ne sont pas transposables, il s'agit de les utiliser pour voir comment on a conceptualisé, on continue à conceptualiser, parce qu'on ne parle pas du passé, on parle encore du présent pour beaucoup de peuples, on conceptualise des rapports à la Terre, des rapports entre les humains, des rapports d'appropriation, par exemple, c'est-à-dire que l'idée que, au fond,
c'est plutôt la Terre qui possède les humains et non pas les humains qui possèdent la Terre, qui est une vieille idée, mais qui est encore en cours dans certaines régions du monde et qui pourrait nous inspirer. Professeur Descola, ma toute dernière question est la suivante. Comment avez-vous vécu cette année de pandémie? Et quelle réflexion vous a inspiré cette longue pause forcée, on va dire? Alors, moi, je suis un privilégié. Je suis à la retraite, donc je n'ai pas besoin de me rendre dans un bureau tous les jours. Je n'ai pas besoin de faire des cours tous les jours. Je suis un universitaire, mais à la retraite. Et donc, j'ai pu m'isoler dans une maison de famille dans le sud-ouest de la France, dans une très belle région où j'ai accompagné les saisons. Et ce qui est un plaisir absolument extraordinaire de voir jour après jour varier les paysages, voir des nouvelles espèces fleurir, des nouvelles espèces d'oiseaux arriver, voir le cycle de la lune, et des choses toutes simples comme ça. Donc, je l'ai plutôt bien vécu, cette expérience. Mais en même temps, j'ai eu conscience que elle avait été très mal vécue ici en France et dans les régions, les zones les plus peuplées et surtout les moins économiquement florissantes, que le virus a été s'est étendu de la façon la plus dramatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au fond, le virus a mis le doigt sur quelque chose de fondamental, c'est la persistance d'inégalités. Des inégalités, on les connaissait, des inégalités devant l'éducation, des inégalités économiques, mais c'est aussi des inégalités devant la santé. Et je pense que je ne pense pas qu'il y aura un monde d'après qui sera très différent du monde d'avant, parce que ce n'est pas un virus qui va faire changer le monde. En revanche, il nous rendra peut-être plus conscients, ce virus, de la très profonde inégalité qui existe encore au sein des pays riches et plus encore, bien sûr, entre les pays riches et les pays qui le sont beaucoup moins. Et c'est pour ça, vous évoquiez tout à l'heure la diversité. Je pense que la diversité doit être une valeur normative, c'est-à-dire qui n'est pas soumise à discussion, en ce sens qu'elle doit orienter tous nos comportements. Il ne s'agit pas simplement de la diversité biologique, il s'agit aussi de la diversité des langues, il s'agit de la diversité des façons de faire, il s'agit de la diversité des façons de penser. Donc un monde de plus en plus divers est quelque chose vers lequel nous devons tendre. Cela dit, ce n'est pas facile, évidemment. L'industrie du divertissement, par exemple, tend à homogénéiser ce monde. Et donc, il faut que chacun d'entre nous fassions un effort pour tendre vers cette diversité en permettant, et c'est en cela que des sociétés non modernes qui subsistent à la surface de la Terre, c'est quoi? C'est peut-être un petit moins d'un milliard de personnes, mais c'est déjà beaucoup, sont les avant-postes, au fond, de cette lutte pour la diversité. Merci, professeur Descola, et ça a été vraiment un plaisir de vous écouter. Merci Adriano Favole, et à bientôt, j'espère.